ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Serviteur d'Allah, Allah Ta'ala nous a créés pour l'adorer sans lui donner aucun associé. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour lui vouer un culte exclusif sans lui donner aucun associé et lui obéir et se soumettre à sa volonté et à ses ordres. Le musulman est celui qui s'est soumis, el muslim, man sallama, nafsahu lillah. L'islam, c'est la soumission à Allah et la soumission à personne d'autre. La soumission à Allah et pas la soumission aux créatures. La soumission à Allah dans le fait d'affirmer et de lui attribuer l'unicité. Le fait de se plier à ses commandements. La soumission à Allah, tabaraka wa ta'ala, cela veut dire de croire fermement et d'avoir la certitude et de se cramponner à son livre, le Coran, qui est la parole d'Allah, et de n'avoir aucun doute sur la parole d'Allah, ni même la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, qui a été prouvée comme authentique jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion, il ne parle que par la révélation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Serviteur d'Allah, si le musulman qui est soumis à Allah a la certitude dans le livre d'Allah, alors il doit savoir qu'Allah a révélé et a descendu la religion de l'islam pour l'humanité. Il a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme guidé et miséricorde pour l'humanité entière jusqu'à la fin des temps. L'islam est la religion qu'Allah agrée pour tous les hommes et tous les djinns. Que ces hommes soient d'Europe, d'Occident, d'Asie, d'Afrique, de la jungle, de la cité, peu importe leurs origines, leur situation géographique, sociale ou financière. L'islam est venu pour l'humanité entière, pour leur donner un mode de vie exemplaire, pour pouvoir, par la réussite de cette vie-là, vivre honoré et réussir éternellement dans la vie éternelle par le paradis et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit subhanahu wa ta'ala, dans le sens des versets, « Aujourd'hui, je vous ai complété votre religion et j'ai parachevé sur vous mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. » Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, « Celui qui agrée ou qui accepte autre que l'islam comme religion, ceci ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » En sachant cela, et en sachant ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un juif ou un chrétien ou un zoroastrien qui entend parler de moi sans croire en moi sans que sa place ne soit le feu. En se basant sur tous ces versets et ce hadith et les nombreux hadiths dans ce sens, le croyant a la certitude que toute personne qui meurt sur autre que l'islam sera en enfer éternellement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ceux qui ont mécru, qui sont les gens du livre, min ahli al-kitab ici, c'est pas tab'idiyya, c'est bayaniyya, c'est-à-dire les gens du livre, ces mécréants qui sont les gens du livre, et les mushrikines et les associateurs, seront en enfer éternellement. Une fois que l'on a su cela, alors comment un musulman, qui vit au milieu des non-musulmans, qui les fréquente tous les jours, et qui a la certitude que celui qui meurt sur autre que la religion de l'islam, comment peut-il vivre avec eux sans porter de la miséricorde et de la compassion et le désir de leur guider? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un voisin juif dont son fils était mourant. Il a été le visiter et il a été appelé son fils à l'islam. Son père a agréé, a accepté
que son fils accepte l'islam et il est mort sur l'islam. Il n'y a pas une chose qui a réjoui le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que cela, la guider des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, une cité multiconfessionnelle, il n'y avait pas que des musulmans. Il y avait des juifs qui vivaient aussi à Médine. Il y avait autres que des musulmans qui vivaient à Médine. Et il y avait des règles de vie entre eux, sans aucun souci, car Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas interdit la bonté, la miséricorde et la compassion pour les non-musulmans. Au contraire, il a été rapporté que certains compagnons, ils ont dit, même si Pharaon, il me disait des bonnes paroles, je lui répondrai avec des bonnes paroles. Car au minimum, le musulman, s'il ne commence pas par le bien, au minimum, il rend le bien, comme on lui a donné. Au minimum. Alors que normalement, c'est lui qui commence par le bien, et qui veut le bien, et qui répand le bien. Toi, musulman, qui a cette croyance, qui a cette certitude dans le Coran, qui sait pertinemment que celui qui meurt sur autre que l'islam sera en enfer éternel, comment tu agrées pour toi de ne pas montrer la vérité du comportement de l'islam à tes voisins, aux gens avec qui tu travailles, en leur donnant un bon comportement, en étant juste avec eux, en leur donnant des bonnes paroles, et en prenant comme exemple le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était le plus doux et le plus affable et le plus miséricordieux des gens. Nous avons déjà parlé de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait avec ses compagnons d'un voyage et qu'il s'est reposé à l'ombre d'un arbre. Et pendant qu'il dormait, un bédouin est venu dégainer le glaive du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a porté au-dessus de sa tête. Il dit, qui te protège de moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah, Allah, Allah. Ce bédouin associateur, il a tremblé, il a laissé tomber le glaive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le glaive à son tour. Il lui a dit, et toi, qui te protège de moi? Il lui a dit, sois le meilleur preneur. C'est-à-dire, toi, je sais que tu as d'un bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pardonné. Il l'a laissé partir. Et cet homme, il est retourné chez sa tribu. Il a dit, je reviens à vous de chez le meilleur des hommes. Beaucoup de gens comprennent mal le fait qu'on sache que des gens qui sont sur autre que l'islam, s'ils meurent sur cette croyance, seront en enfer, ou le fait de l'alliance et le désaveu. Allah Ta'ala dans le Coran dit, dans le sens des versets, Allah ne vous interdit pas d'être bon et juste avec ceux qui ne vous combattent pas dans votre religion et qui ne vous sortent pas de vos maisons. Certes, Allah aime les gens justes. Allah Ta'ala dit, en parlant des parents, deux parents associateurs, polythéistes, qui combattent tous les jours et qui font leur maximum pour que leur enfant soit polythéiste comme eux. Allah Ta'ala dit à propos de ces gens-là, s'ils te combattent, ils font tous leurs efforts pour que tu me donnes quelconque associé, ne leur obéis pas. Et donne-leur une bonne compagnie dans ce bas monde. Allah Ta'ala ne l'a pas incité à les insulter, à les rejeter. Non, à être bon avec eux dans toutes les affaires terrestres, temporelles. Tant que c'est du licite. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on participe avec eux dans les choses religieuses, dans leurs pratiques religieuses. Au contraire, on doit se désavouer de leurs pratiques religieuses et participer avec eux dans les choses terrestres, dans les choses dans lesquelles on peut les aider dans le halal, dans le licite. On voit aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, combien il aimait la guider et il avait un amour naturel envers son oncle Abu Talib, pourtant qui est mort sur le polythéisme. Il espérait sa guider jusqu'au dernier moment. Et combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait de la miséricorde et de la compassion même envers sa mère qui est morte sur la mécréance. Il a demandé à Allah de visiter sa tombe. Et quand il l'a visité, il s'est rappelé les bons moments qu'un enfant il passe avec sa mère et il a pleuré sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a pas invoqué Allah pour elle car elle est morte sur autre que l'islam. Il a demandé, il a dit, j'ai demandé à mon Seigneur de visiter la tombe de ma mère, il me l'a autorisé. Je lui ai demandé d'invoquer pour elle, il me l'a interdit. Car celui qui meurt sur le shirk, c'est trop tard. C'est maintenant, tant que les gens sont encore vivants, qu'il faut essayer de les sauver de l'égarement dans lequel ils sont. Avec la bonne parole, avec le bon comportement, avec le bon voisinage, avec la justice, avec la patience sur le mal qui pourrait nous atteindre de leur part, de leur langue ou de leur main, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a patienté sur les méfaits des mécréants et des politistes qui l'ont combattu pendant des années et qui ne s'est pas vengé alors qu'il avait la capacité de se venger, mais il leur a pardonné. Serviteur d'Allah, il incombe aux musulmans, surtout ceux qui vivent au milieu des non-musulmans, d'apprendre correctement leurs croyances et leur foi et leur religion pour pouvoir la pratiquer correctement
de se préserver de l'égarement et d'être aussi une lumière de guider pour les autres. Alors que si la personne est ignorante des principes de sa religion, alors même en voulant faire le bien, parfois lui-même il tombe dans le mal. Lui-même il peut même sortir de l'islam en ayant des croyances erronées. Alors comment va-t-il appeler les gens à la guider alors que lui-même il tombe dans l'égarement? Il est nécessaire à chaque musulman d'apprendre correctement le dogme islamique et la croyance authentique et de la mettre en pratique selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension des pieux prédécesseurs, non pas selon les compréhensions de chacun erroné ou égaré ou éloigné de la vérité pour montrer la vraie image de l'islam et après cela la guider dans les mains d'Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علماً.